La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est à l'esprit. Vive ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Voilà, j'ai dit toutes les trois formules parce que ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champaign County. Nous, c'est John Matanda. Nous, c'est votre serviteur. Nous venons aujourd'hui, il est exactement 22h28 ici à Champaign, ici à Urbana, ici à Savoie, ici à Rantoul, ici à Chicago, ici à Bloomington, ici à Normal. Nous venons devant vous pour de petites mises à jour. C'est vrai, ça fait longtemps que nous sommes passés juste pour parler entre nous, parler, traduire en français ce que nous postons sur notre page et réexpliquer ce que vous connaissez déjà. Alors aujourd'hui, il est le mardi 26 septembre 2023. Laissez-nous commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que vous et nous, nous puissions être connectés en ce moment et que nous puissions être vivants. Nous disons aussi merci à Papa Raphaël Kayembe qui est connecté en ce moment. Maman Adèle Nshimba, merci d'être connecté. Papa Alain Gituka, salut à vous et que Dieu vous bénisse. Merci Papa Alain Gituka, merci d'être connecté. Nous sommes inclinés parce que nous voulons commencer à partager notre direct. Papa Alain Gituka dit salut président, salut papa et notre président, que l'Éternel vous bénisse. Merci à vous. Merci papa, que Dieu vous bénisse aussi et qu'il accomplisse les désirs les plus profonds de votre cœur, que vous alliez toujours de l'avant, c'est ça notre prière. Papa Raphaël Kayembe, nous rappelons que notre papa Raphaël envoie les conteneurs chaque mois. Il y a même des jours et des mois qu'il fait deux fois. Alors, nous venons ici rappeler à la communauté, partout où vous êtes. J'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un de Kentucky, le pasteur Jean-Paul, que je salue d'ailleurs, qui me disait qu'il devait contacter Papa Raph. Et nous qui sommes sur place, contactons-le aussi. Il fait les conteneurs deux fois par mois, une fois par mois. Vous n'avez pas d'emballage, il va vous en fournir. Vous n'avez pas encore l'argent cash à payer au moment de départ. Vous pouvez causer, il va vous aider. Alors, félicitations à Papa Raphaël, merci pour le travail qu'il fait pour notre communauté. Nous l'avions dit et nous le répétons encore que les quelques rares de fois que nous avons envoyé des histoires au Congo pour compte de la communauté, ce Papa Raphaël qui nous a aidés sans demander un seul franc. Que Dieu les bénisse et qu'il remplace à ceux qu'il donne pour la communauté. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous parlerons des réfugiés. Nous parlerons de SNAP, qu'on appelle des bénéfices, de WIC, des LIC, ainsi de suite. Nous parlerons des panneaux solaires. Nous parlerons d'un festival initié par les Congolais, pour les Congolais, mais aussi pour les Américains ici aux États-Unis. Nous parlerons du programme scolaire. Il y a un programme de remboursement des factures de transport ici à Champaign. Nous parlerons de ça. Nous parlerons d'une compagnie. Nous avions parlé l'autre fois et puis nous allons encore reparler. Une compagnie sur place qui ferme. Et puis, nous allons parler d'un petit conseil. Nous allons donner un petit conseil. Pour le moment, ce que je fais, c'est partager. C'est pourquoi je vous prie. Je vous prie de faire avec moi. Je sais que nous ne nous sommes pas annoncés. Nous sommes venus brusquement parce que nous nous sommes dit que nous devions quand même, au lieu de chaque fois reporter, attendre tout ça, que nous devions venir parler avec toute la communauté. Mais bien avant cela, je vais commencer par une question, parce que moi-même, je me mets à rire. C'est une question, en fait, j'essayais de comprendre cette histoire-là. J'essaie de publier ça sur notre page Facebook. Ça m'a tellement laissé dans les interrogations, ça m'a tellement donné des questionnements, ça m'a... Je ne dis pas que ça m'a marré et ça ne m'a pas fait rire, mais je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Et je crois que prochainement, quand nous recevrons un serviteur de Dieu, nous viendrons ici poser cette question. Déjà, parlant des serviteurs de Dieu, nous disons merci au pasteur Olivier. Pasteur Olivier qui nous a Ipaka de l'église City of Light de Indianapolis.
Nous étions là le vendredi de 23, de 21h à 4h du matin. Pratiquement, nous sommes rentrés vers 6h. C'était bien. Avec le prophète Francis Ngwawala, ceux qui étaient là, je crois qu'ils ont goûté à l'atmosphère du ciel. Nous disons encore une fois de plus merci. Merci infiniment au pasteur Olivier pour la considération, pour l'invitation. Nous disons aussi merci à Papa Billy Massanka, Pasteur Billy Massanka. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment pour tout. Que Dieu continue à vous élever. Donc, il me reste que de partager dans quelques groupes. Et puis, nous allons commencer. Comme je l'ai dit, je vais passer une vidéo. Je vais passer une vidéo. Et vous, vous allez regarder. Je crois que ce sont des questions qu'on posera prochainement au pasteur. Quand nous allons les recevoir. Cette vidéo ici, en fait, voilà, on va d'abord la passer comme ça, nous tous. Hein. Il y en a qui ont vu ça sur notre page, mais je voudrais encore la partager parce que je me disais, Seigneur, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme ça que nous devons commencer à prier Dieu? Ou c'est comme ça que peut-être nous devions prier, mais que nous ne connaissons pas comment encore faire? Ou c'est peut-être comme ça que nous ne devions pas faire, mais nous le faisons quand même? Ou c'est comme ça peut-être que ça devait être fait, que nous sommes ignorants. Voilà, je vous laisse d'abord suivre la vidéo.
Ça fait. Ce qui me fait plus rire, c'est l'affaire. C'est l'affaire. Le pasteur a tellement dansé que le petit là, il est tellement têtu. Lui, il tombe pas. C'est seulement les femmes qui tombent. Les hommes aussi, apparemment, ils sont. Les hommes, c'est comme si on était têtu. On ne tombe pas. Papa Gala Mulunda, que Dieu vous bénisse, papa. Papa Gala Mulunda, merci de loin que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Mais je dois quand même un jour prendre un prophète ou un pasteur qu'on va recevoir bientôt là ou peut-être prochainement. Poser cette question. Quand les gens tombent là, excusez-moi. C'est une vidéo là, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, Seigneur, finalement, si vous êtes dans une église où les gens dansent comme ça et puis vous tombez dans. On ne chantera même plus, hein. Toute l'église là sera par terre en train d'être délivrée de la danse. Voilà, je crois qu'on ne comprend peut-être pas ou on comprend au-delà. On va chercher un prophète ou un pasteur que nous allons recevoir dans les jours très à venir pour poser la question. Ma question, c'est celle-ci. Peut-être que moi, je n'ai pas pu bien comprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'expliquer? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent nous expliquer ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est une délivrance ou c'est pas moi, c'est pas moi. Et quand quelqu'un tombe, et après? Après, les péchés sont partis ou je sais pas, bon, en fait. Je sais pas, on essaye simplement à comprendre hein, parce que j'ai posté ça sur la page et là je me suis dit que je ne comprenais pas, alors il faudrait qu'on essaye de comprendre ensemble. Voilà, c'était une façon d'introduire notre direct de ce soir. Nous allons parler maintenant des panneaux solaires. Vous savez que nous payons généralement trop cher les courants, surtout pendant la période de froid et pendant la période de la chaleur. Les courants triplent de fois, ça quadruple pour simplement parce que l'unité qui produit le froid, compresseur, ou ce qui produit la chaleur, ça ne s'arrête pas. Ça tourne sans repos. Et ça fait à ce que les courants puissent augmenter. Il y en a qui, je connais comme ça, qui habitent des appartements de deux chambres, trois chambres. Et ça dépend d'État. Qui paye jusqu'à 700, 800 $ par mois. Imaginez maintenant, vous avez les courants à payer. Imaginez que vous avez la poubelle à payer. Imaginez que vous avez l'assurance à payer. Imaginez peut-être que vous avez pris une dette voiture, c'est pas moi une dette de quoi. Vous avez ça à payer, vous avez les quotidiens. Et les courants qui viennent déjà à 800, à 750, 800 $ par mois. Et vous vous rendrez compte qu'au bout d'une année, au bout de 2 ans, bon, prenons une année le minimum, vous êtes au-delà de 8 000 $. Vous êtes au-delà de 10 000 $ pour une année, simplement pour des factures de courant. Or, il y a des solutions. Les panneaux solaires, quand vous le mettez, c'est vrai que ce sont les équipements qu'on va vous donner étalés sur 20 ans, 30 ans, mais vous vous retrouvez que vous payez les courants, par exemple, à 100 $, 30 $, 40 $. Ça dépend de la grandeur de votre maison et de la consommation. Il y a des compatriotes qui installent déjà les panneaux solaires et ils ont un très bon feedback. Ils économisent l'argent. Quelqu'un qui paye 350 $ par mois, aujourd'hui se retrouve avec 100 $, 95 $, simplement parce qu'on a mis les panneaux solaires. Et les courants, par exemple, vous payez 120 $, on vous installe les panneaux solaires. Les courants qui commencera à venir, supposons 92 $, ce n'est pas que ça va changer demain. Non, ça ne sera pas comme les autres distributeurs de courant qui, aujourd'hui, ils vous donnent une facture de 300 $. Le mois prochain, vous avez une facture de 600, ainsi de suite. Avec les panneaux solaires, avec l'installation de panneaux solaires, ces gens ici qui installent, ils vous donnent le courant à un prix fixe. Si c'est 100 $, ça sera comme ça. Ça veut dire, vous avez déjà un budget. Vous connaissez que non, le courant s'en prend 100 $ par mois. Je pourrais peut-être étaler ça sur une année. Je me dis 1 200 $ par année. Pour le courant, vous avez un calendrier ou bien des dépenses qui sont fixes. Ce ne sont pas des dépenses qui varient. Aujourd'hui, vous venez avec un courant X. Demain, vous venez avec un courant Y. Voilà. Donc, il y a notre papa de la communauté, Papa Prosper. Beaucoup, beaucoup, nous connaissons notre papa Prosper Mpanoum Pabi.
Il nous aide. Il aide des gens. Il nous aide, nous, la communauté congolaise de Champaign-Kani. Pas seulement si vous habitez Champaign, partout où vous êtes. Mais le problème, il faudrait d'abord la première condition que vous ayez une maison à vous. Parce qu'on ne va pas mettre, vous êtes locataire, on vous met dans une maison qui ne vous appartient pas. Donc, vous avez une maison à vous, vous êtes sous mortgage. Et votre courant vient très cher. J'habite ici, je connais combien ça vient. Ceux qui habitent à Atlanta vous diront. Ceux qui sont dans des appartements, d'ailleurs, des fois, ils payent le courant plus que ceux qui sont dans des houses ou des maisons. Alors, Papa Prosper nous aide. Il y a déjà quelques compatriotes ici sur place qui commencent déjà à souscrire. Et leur feedback, c'est qu'ils disent, waouh, en tout cas, si on savait ça depuis longtemps, même avant même d'acheter la maison, on devait installer les panneaux solaires. Ça, c'est des 1. De 2, quand on installe des panneaux solaires sur votre maison et vous voulez vendre une maison que vous avez, par exemple, achetée à 500 000, on ajoute les prix actuels des panneaux solaires, même si vous êtes sous contrat avec ces gens-là. La maison qui coûterait, par exemple, 500 000, ou la valeur actuelle, ça sera peut-être 600, 700 000, et vous allez la revendre peut-être à 900, 850. Pourquoi? Parce que le panneau solaire devient une valeur ajoutée. Donc, vous êtes partout aux États-Unis, vous avez besoin qu'on vous installe le panneau solaire. Entrez en contact avec nous. Nous vous mettrons en contact avec Papa Prosper. Ou bien vous pouvez le chercher sur Facebook, Prosper Panupabi. Je vais passer ici son nom. Et il va vous dire les conditions parce que nous ne savons pas donner les numéros comme ça en direct. Mais c'est que nous vous disons que c'est quelque chose qui aide la communauté. Donc ça nous aide, nous tous. Installons le panneau solaire, mais aussi nous devons savoir que nous n'économisons pas sur une année, nous économisons sur toute une vie. Et ça a une garantie à vie. Mais il faudrait aussi que votre credit score, que le score de votre crédit soit bon pour qu'on puisse vous prendre. Il y en a déjà qui souscrivent, il y en a qu'on a installé. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est le camion de la compagnie qui vient installer, qui travaille avec Papa Prosper, notre compatriote, Sandran. Là, ils sont partis pour installer à une maison. Et ici, c'est un de nos compatriotes qui vit à Champaign. Ici, là, je vais vous laisser suivre la petite vidéo. C'est vrai que la vidéo ne parlera pas. Ici, c'est. D'air permanente qui ne viendra pas demain. Non, il n'y a pas de courant. C'est un courant qui vient des batteries, des accumulateurs qui sont installés dans votre maison et la nature nous en donne. Merci beaucoup à vous, Ndeko Franck, Erinel, Ofranel, Wawa. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était ce qui concerne le panneau solaire. Papa Prosper Panupabi, nous vous disons merci de là où vous nous suivez et entrons en contact avec lui. Papa Prosper Panupabi, sur son profil de Facebook, il est en rouge. Si vous l'appelez ou vous l'écrivez, je crois qu'il reviendra vers vous. Ou bien entrez en contact avec nous, nous mettrons en contact avec lui. Ngoma African Music. Ceux qui sont nés des années 40 quelques ou 50 quelques comme nous autres connaissent ce qu'on appelait Ngoma. Et ça, c'était Ngomo Africa. À l'époque, Ngomo Africa, c'était un festival qui était organisé au pays. Maintenant, ici, nous parlons de Ngoma. Ngoma, pour ceux qui parlent Swahili, ils comprendront que c'est les tam-tam. Ngoma African Festival. Donc, Ngoma African, festival Ngoma Africain, qui sera organisé chaque année, ici, à Champaign. Pourquoi pas un jour que ça s'étende sur toutes les étendues des États-Unis. Ngoma African Festival, c'est quoi? C'est une conception de Congolais, communauté congolaise, disons comme ça, la communauté congolaise, en partenariat avec le la de community
for, non, Community Center for Art. Donc, Community Center for Art. Donc, en partenariat avec le Community Center of Art, il y a un festival qui va être organisé à partir de l'année prochaine. Le 23 juin 2024, ça sera le lancement. Ça consistera en quoi? Ça consistera, voilà, ça c'est les Français. La nuit, des fois, les Français, ça fouille, hein, comme on nous disait notre prof, comme le disait notre professeur à Mungano. Ceux qui étaient à Calémi connaissent l'école Mungano. Et nous, Caius, que je salue, s'il est encore là. Il nous disait la langue mal languée. Voilà. Donc, je disais que le festival Ngoma African Festival, ça se commencera à se passer chaque année. Ce n'est pas les Congolais simplement. Ce ne sont pas les Américains simplement. C'est tous ceux qui s'identifient tirant leurs origines en Afrique. Pourquoi? C'est pour vendre notre culture. Et ça sert à quoi? Vous tressez les cheveux, vous vendez des chikwangs, vous fabriquez des chikwangs, vous exercez dans n'importe quel métier qui a trait à nos cultures. Vous faites les malewa, vous faites les restaurants, vous êtes couturier, couturière, vous avez les objets d'art. Papa Charlie Pembele, je crois que j'entrerai en contact avec vous, vous avez d'objets d'art. Ça sera une occasion d'exposer ça. Ça sera une occasion d'entrer en contact avec la culture américaine. Ça sera une occasion de nous vendre, nous, en tant que Congolais. Alors, ça sera au mois de juin 2024, l'année prochaine. Donc, il y a maintenant, je crois, on est au mois de septembre. Il nous reste encore 9 mois pour que ça puisse se faire. Ça s'annonce avant pour que vous puissiez déjà commencer à vous enregistrer ou pré-enregistrer. C'est le festival, la façon que les concepteurs ont organisé ça. Je crois que la communauté congolaise, la culture congolaise, on parlera d'elle même jusqu'au plus haut niveau. Ça ne sera pas du genre, non, il y a des problèmes de DUI dans la communauté congolaise, il y a un problème de mésentente, il y a un problème de gauche-droite. Non, cette fois-ci, on parlera communauté congolaise de festival, Ngoma African Festival. Donc, ça sera à partir de l'année prochaine. Donc, vous êtes dans l'art, pas seulement à Champagne, pas seulement à Urbana. Vous êtes aux environs ici de Champagne, vous êtes aux environs de Urbana. Donc, c'est pour vous que ça, ceci concerne, pour que vous puissiez vous enregistrer. Donc, enregistrez-vous déjà pour que vous puissiez participer. C'est vrai qu'il y aura des réunions qui vont se faire entre les organisateurs et vous, pour qu'on puisse vous dire les modalités et où est-ce que vous allez exposer votre art. Je vous garantis, les gens qui connaissent le Community Center for Art ici à Urbana, à côté des cours, en face de Beauty Bank, vous diront que c'est une occasion à ne pas rater. Surtout, vous êtes photographe, vous êtes dans l'art, tout ce que vous faites, la créativité, c'est le moment de vous faire savoir, c'est le moment que vous puissiez sortir de votre cachette et que le monde vous voit exposé. Voilà. Donc, entrez en contact avec nous pour le festival, le Ngoma Festival qui va commencer, Ngoma African Festival qui va commencer au mois de juin, le 23 prochain. Vous êtes dans les restaurants, vous êtes, je sais pas moi, vous tressez les cheveux, vous êtes couturier, vous avez des objets d'art. Entrez en contact avec nous pour que nous puissions vous mettre en contact avec les organisateurs. L'objectif, c'est d'abord vendre notre culture. Voilà. Nous sommes ici à Champagne, les écoles de Unit 4, qui sont les écoles liées au district scolaire Unit 4. La semaine passée, on avait envoyé des messages aux parents, leur demandant s'ils sont capables de commencer à accompagner leurs enfants à l'école. Le district leur donnera 65 centimes par mile. Mais il y a de ces parents qui sont déçus parce que l'information n'était pas bien communiquée. Et il y a même de ces parents qui avaient souscrit à ce programme, mais pour qu'ils puissent être payés, c'était compliqué. Alors, ceux qui ne savent pas encore ce programme, les districts scolaires, pas seulement des Champagne, beaucoup de districts scolaires ont des carences de chauffeurs. Ils ont des carences de chauffeurs et ils demandent aux parents qui peuvent accompagner leurs enfants à l'école, comme ça qu'ils les fassent et puis les ramener à la maison, qu'ils le fassent et que
En retour, le district scolaire disposera de l'argent pour leur donner 65 centimes par mile. Donc, si votre enfant est dans le district scolaire d'Urbana et de Champaign, sachez qu'il y a carence de chauffeurs. C'est pourquoi même vous avez vu qu'au premier jour, il y avait les parents qui se sont plaints que les bus sont arrivés en retard. C'est simplement parce que il y a carence de chauffeurs. Aussi, en parlant de carence de chauffeurs, je voudrais aussi profiter pour dire ceci. Parents, vous savez que les gens qui travaillent dans l'éducation, que ce soit dans la salle de classe ou dans des salles de classe, que ce soit dans les surveillants qui viennent pour la récréation, que ce soit ceux qui sont dans des bus avec les enfants, que ce soit les enseignants qui ne sont pas directement les enseignants des cours principaux, qui sont les enseignants des cours secondaires liés au programme gymnastique, art, ainsi de suite. Ces gens-là, ils souffrent du comportement de vos enfants. Un enseignant forme des milliers de milliers de têtes, mais un comportement d'un enfant qui n'a pas pu maîtriser l'éducation de ses parents, parce qu'on ne dira pas que les parents n'ont pas fait l'effort pour que cet enfant rentre dans le droit chemin, qui n'a pas pu maîtriser l'éducation de ses parents, il vient à l'école, il se comporte comme s'il était dans la jungle parce qu'il sait qu'il n'y a rien qui peut être fait. Il y a un enseignant il y a 2 ans qui a cogné sérieusement, qu'on dirait passer avec des coups, un élève qui était en 8e ou en 9e. Cet enseignant, on l'a suspendu, on l'a ravi la licence pour dire agression sur mineur. Mais quand il fallait faire les enquêtes, on a découvert que l'enseignant était à bout. Mais si ces enfants viennent à l'école se comporter comme ça, c'est parce que de là où ils venaient, il n'y avait pas un message du genre, cet enseignant n'est pas seulement pour toi, c'est quelqu'un qui forme une vie, des vies et des vies. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a carence d'enseignants. Aujourd'hui. Nous venons même de publier, il y a des programmes d'accélération pour ceux qui aspirent d'enseigner. Nous avions même dit qu'il faudrait d'ailleurs qu'on puisse déjà lancer les recrutements pour l'année prochaine, bien que l'année passée, nous avons lancé un recrutement que les gens doivent venir travailler ici aux États-Unis. Vous êtes au Congo là-bas, la seule condition est que vous avez votre bachelor en éducation et puis que vous avez travaillé au moins 2 ans. Nous avons tenu une des conférences en ligne avec des gens au Congo là-bas, c'était 4 h du matin derrière chez nous ici. Nous l'avons fait, nous avons expliqué aux gens. Vous savez que sur tous ces gens-là, des Mbujimayi, Kalemi, Mweneditu, Kananga, nous n'avions eu que 2 personnes qui avaient les dossiers et une personne d'entre elles n'avait même pas ce résultat des TOEFL. Et la deuxième personne a pu faire les TOEFL, mais les délais c'était déjà en retard. Et puis il y a un pourcentage exigé, il faut avoir un certain pourcentage en mathématiques, un certain pourcentage en langage, un certain pourcentage en lecture, ainsi de suite. Mais le comportement d'un enfant peut faire à ce que l'éducateur quitte le métier d'éducation. J'ai vu, moi, j'ai vu autant de professeurs pleurer. Beaucoup de professeurs pleuraient. Les enfants font pleurer les professeurs et des vieilles personnes parce qu'ils ne savent rien faire. Et les enfants, des fois, ils mentent. Il y a des enfants qui sont experts en mensonges. Parents, ayons le temps de parler avec nos enfants parce que si les enseignants commencent à quitter les boulots, parce que pour le moment, il y a vraiment carence, il y a même des teacher assistants. Qui travaille maintenant comme plein temps plein. Un enseignant qui quitte, c'est 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes qui manquent l'éducation à ce moment-là. Et c'est tous les enseignants qui sont talentueux et qui ont l'expérience. On ne les trouve pas au coin de la rue. Et les parents, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vos enfants, ce sont ces enseignants-là. Et en plus de cela, parents, je l'ai dit l'autre fois et je l'ai redit encore, participez dans les activités académiques de vos enfants. Il y a de ces parents qui ne savent même pas que leurs enfants ont un devoir. Grave encore. Il y a de ces parents qui ne connaissent même pas le nom d'enseignant de leur enfant. Et pire, il y a de ces parents qui ne connaissent même pas l'anniversaire, les dates de naissance de votre enfant. Entraînons-nous à ça. Entraînons-nous à ça. Et aussi, parents, parce que quand c'est l'anniversaire de votre enfant, faites-le plaisir. Mettez-le même sur votre statut de WhatsApp si vous l'avez. Ou soit faites un petit mot à votre enfant. C'est une culture que vous mettez en lui. Et il grandira avec ça. Mais si vous, là, anniversaire, c'est la culture que vous donnez. Donc, c'était juste pour dire que le programme de Champaign, vous qui habitez, nous qui habitons Champaign, si vous avez
besoin d'accompagner votre enfant à l'école, alors l'école vous remboursera 65 centimes par mile. Accélération de dossier des Ngunda. C'est comme ça qu'il faut dire, non? Ngunda, yes. Accélération des dossiers des Ngunda. Qui en bénéficieront? Les Vénézuéliens. Vénézuéliens. Voilà. 472 000 personnes. Je dis bien 472 000 personnes. Le président Joe Biden a annoncé il y a 3 jours. Il a annoncé, non, il y a 5 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 26, le 21, le 21 septembre, le mercredi passé. Le président Joe Biden a annoncé que on doit accélérer et puis donner les statuts des résidences temporaires, non, les statuts temporaires à 472 000 Vénézuéliens. Parce qu'on dit que les Vénézuéliens fuient chez eux par rapport à la situation politique, par rapport à la crise humanitaire, par rapport à l'insécurité, et ils sont en afflux du côté de Massachusetts. Or, en Massachusetts, sur 100% de postes qui sont vacants, il n'y a que 47 personnes qui sont. Non, 47% sur 100. Ça veut dire qu'il y a une carence de 53% dans la moyenne des besoins en termes de main-d'œuvre. Alors, le président Joe Biden a dit, il y a beaucoup de Vénézuéliens qui sont entrés. Alors, le mercredi, il avait annoncé que pour aider le millier d'immigrants à avoir accès au travail, alors on doit accélérer ce qu'on appelle le traitement des dossiers pour que ces Vénézuéliens puissent avoir les permis de travail que nous appelons en anglais work permits. Pas seulement ça. Le président Joe Biden a aussi demandé qu'on puisse accélérer les processus d'autorisation des work permits, des permis de travail, qui prend généralement jusqu'à 90 jours. Alors, on veut ramener ça jusqu'à 30 jours pour pallier à cette main-d'œuvre américaine qui est un problème actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui contournent ça, qui font entrer les gens illégalement par rapport à la main-d'œuvre. Ils utilisent aussi les gens qui ne sont pas légalement autorisés de travailler ici parce qu'ils savent que là, il n'y aura pas l'IRS derrière eux. Ils peuvent payer comme ils veulent. Alors, le président Joe Biden, pour contourner tout ça, à partir. Les Vénézuéliens qui sont entrés aux États-Unis à partir du 31 juillet 2023, plutôt avant le 31 juillet 2023, ils sont éligibles à ce programme. Pas les autres, bien que de l'autre côté, ça, il y en a qui ont dit c'est très bien, c'est un très bon programme parce que ça va faciliter à ce que ces Vénézuéliens puissent avoir les documents. Mais de l'autre côté, on dit non. Il y a les Haïtiens, par exemple, qui sont là, des milliers et des milliers d'Haïtiens qui sont d'ailleurs à un nombre très élevé, plus que le Vénézuélien. On n'a pas voté, plutôt, on ne les a pas donné les statuts temporaires ou les statuts, l'accélération des dossiers. On fait seulement aux Vénézuéliens. Pourquoi? Ils ont dit ça, c'est juste une goutte d'eau dans l'eau. Parce que les grands lots qu'il fallait donner est là, mais on a privilégié d'abord les Vénézuéliens. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez qu'il y a de ces communautés qui viennent ici, qui s'imposent. Ils viennent et ils se font savoir qu'ils sont là, ils ne s'entrécusent pas. Nous, la communauté noire, nous nous entrécusons beaucoup. Bon, du moins, les Nigériens ne sont pas dans ça. Mais nous, la communauté noire centrale, australe, nous sommes dans des accusations qui ne nous avancent pas. Et sachez que quand nous allons nous entrécuser chez un étranger, il ne nous prendra pas de sérieux. Nous nous accusons pour de petites choses. Il a fait ceci, tu accuses. Il fait ceci, tu accuses. Or, il y a des choses que nous pouvons aller comme ça, nous parlons nous-mêmes. Mais aussi, nous devons savoir aussi, quand nous sommes dans l'illégalité et que quelqu'un vient nous parler ou quelqu'un va accuser, il ne vous accuse pas, il vous aide. Là, c'est autre chose. Mais il y a des choses qu'on devait parler entre nous, mais il y a des gens qui vont accuser. Quand est-ce que nous serons forts? Quand est-ce que nous aurons une communauté forte? Aussi longtemps que nous continuons à nous accuser. La femme accuse son mari, le mari accuse sa femme, l'homme accuse son ami, l'ami accuse son ami, le voisin accuse les voisins. L'hypocrisie,
Quand est-ce qu'on sera une communauté forte? L'autre accuse l'autre simplement parce que je n'aime pas sa tête ou parce que j'ai entendu qu'on m'a dit de lui. Non, ça n'évoluera pas. Donc pour le moment, les Vénézuéliens, 472 000, d'ici la fin de ce mois, ils auront leurs documents temporaires d'exercer ici aux États-Unis parce qu'ils sont en grand nombre et parce que chez eux, il y a la crise, et ainsi de suite. Mais chez nous, au Congo, nous avons la guerre, non? Nous avons la guerre de l'Est, nous avons la guerre de ces gens-là qui sont là-bas, qui se battent du côté des gens ici, des chefs coutumiers ici qui ont tué les Batéké, ainsi de suite. Nous avons aussi la guerre, il y a aussi l'insécurité. Mais pourquoi on ne parle pas des pays africains? C'est parce que nous-mêmes, nous ne nous unissons pas. Il y a une communauté camerounaise qui dirige une dame que je mettais le nom, on parle avec. Ils sont forts. Quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, ils s'élèvent. Ils marchent à Washington, là, ils font des marches. Aujourd'hui, c'est le maire de New York qui doit faire monter les drapeaux du Congo. Nous étions entendus à un moment ici que tous les présidents, à X moment, un tel endroit, et partout où nous sommes, nous allons à nos représentations. Faisons une marche, même si nous avons des différences d'heure d'une heure avec Washington, même si nous avons des différences d'heure de 3 heures avec d'autres États. Mais nous nous entendons à cette même heure que nous fassions une marche générale. Ça devait parler CNN, ça devait parler. Je parlais personnellement avec des présidents. C'est compliqué. Président de beaucoup de communautés, j'ai parlé avec eux, c'est compliqué. Donc, c'est juste pour vous dire que les processus aussi, ceux qui viennent, qui font l'application qu'on appelle CBP, l'application là, vous venez, vous demandez l'asile à partir de l'extérieur et vous entrez ici, on accélère votre dossier. Cette application aussi, si les gens qui ont fait ça, qui sont entrés ici aux États-Unis avant le 31 juillet 2023, ils sont aussi éligibles à ça. Et aussi, le président Joe Biden a demandé qu'on puisse commencer maintenant à accélérer des demandes pour ne pas permettre la queue, pour aussi éviter que les gens puissent traîner, parce que les États-Unis, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Or, ça, c'est une main-d'œuvre sûre qui est là. Bien que des fois, nous aussi, quand nous venons ici, nous évitons. Et aussi, je voulais dire, il y a des juges qui sont en train de voter des lois maintenant. Là. Même si vous êtes citizen, même si vous avez la green card, mais vous commettez des crimes, ou bien vous faites obstruction à la justice, on va voter très bientôt une loi. On vous remballe au pays. On vous chasse. On vous chasse. Faites très attention. On vous chasse. Voilà. Parlons maintenant des solo caps. Nous avons dit que ça devait fermer d'ici la fin de l'année parce que leurs charges sont devenues supérieures à leur production. Solocap a changé. Il ne ferme plus à la fin de l'année. Et du moins, il ferme à la fin du mois prochain. Même pas à la fin, vers la fin. Le 27 octobre 2023, c'est la fin des Solocap. Ceux qui passent par là, ils vont voir. Solocap, c'est à côté de Jell. On a commencé à appeler ça. Ça avait changé de nom à Dart. Ceux qui passent par là trouveront que leurs machines déjà sont en train d'être décomposées. Alors, ils ferment leurs portes parce qu'ils disent que les charges deviennent supérieures aux entrées. C'est tout à fait normal, c'est les principes économiques. La loi de l'offre et de la demande, l'équilibre sur le marché. Comme j'avais mon professeur d'économie, que je salue, le professeur Chibangu, qui nous disait, on ne peut pas faire les business des pirogues dans un désert. Il y a toujours l'étude du marché ou du milieu qui précède l'investissement. Alors, Solocap va fermer d'ici là et ça sera 135 nouveaux chômeurs, bon, du moins pas chômeurs, 135 nouvelles personnes qui ont perdu leur travail parce que c'est 135 full-time que Solocap engage maintenant. C'est à Irobana qu'ils ont fermé la compagnie qu'ils ont commencé depuis 1972. Ils ont contribué ainsi de suite. Depuis 1972, la compagnie là, elle est plus grande que beaucoup d'entre nous et ça va fermer. Fermer simplement parce que la production, il n'y a plus d'entrée. La production des charges devient supérieure aux entrées et la production doit aller. Alors, c'est pourquoi j'ai dit ça. Solocap se trouve sur 1505 East Main Street. Là, nous sommes à Urbana, Illinois, 61802. Pourquoi j'ai dit ça? Je l'ai dit simplement parce que
Chacun a une vie qu'il mène. Chacun a une vie. Mais nous sommes dans un pays où tout peut arriver. Tout peut arriver. Il y en a qui font les Uber. Il y en a qui font les delivery. Il y en a qui font les driver, CDL driver. Il y en a, il y en a, il y en a. Ce travail peut s'arrêter aujourd'hui ou demain. Il y a un grand risque ici. Depuis 1994, à Chicago par exemple, il y a afflux de haine, haine raciale. On a fait des études, actuellement on a remarqué qu'il y a afflux d'haine raciale. C'est un problème qui ne va pas se terminer aujourd'hui ou demain. Mais si nous investissons dans ce qui n'est pas productif, si nous investissons dans ce qui ne nous amènera pas loin, nous freinons. Essayons d'investir. Ne gaspillons pas l'argent parce que nous savons que vendredi, il y a l'argent qui va rentrer. Tout peut arriver. Tu peux arriver au boulot comme ça, tu commets une petite erreur, on te chasse. Juste tu as oublié, par exemple, de cloquer, on te chasse. Juste que tu as oublié de t'appeler à ton superviseur, on te chasse. Ou tu avais des choses que tu avais faites. Parce qu'il y en a aussi, leur main là, c'est pas courte, hein, qui prennent même des papiers comme ça, des paper towel, des papiers comme ça en rouleau, on met dans la salle des breaks pour vous servir. Vous prenez. Il y en a même qui vont plus loin. Il y a des médicaments là qu'on donne. Les gens prennent ça en stock. Ils ne boivent même pas. Et puis ils vont jeter. Il y en a qui prennent même les sachets poubelles de la compagnie qu'on met là. Vous prenez ça. Attends, on va dire le vrai terme. Vous volez ça. Des sachets poubelles qui coûtent 3 dollars, 2 dollars. Et on vous paye par semaine plus de 400, plus de 500 dollars. Mais vous allez voler quelque chose. Des 2 dollars, des 1 dollar. Bon, je ne sais pas si c'est. On trouve que ça, c'est normal. Il n'y a pas de petits et de grands vols. Tout vol reste des vols. Et il y a des caméras qui nous voient. C'est pas bon. Changeons. Tu risques de perdre le travail pour 30 centimes. Parce que la compagnie considère que toute chose que tu prends sans qu'il y ait l'accord, c'est un vol. C'est un vol. Alors. Évitons, changeons, parce que des compagnies ferment. Aujourd'hui, nous avons GMC. Le président Joe Biden, même, on m'a dit, que j'ai appris, j'ai lu dans les journaux, plutôt dans les informations, qu'il est parti même soutenir les gens qui marchent. Vous savez qu'au pays, là, vous voyez seulement les présidents de la République, les gens font leur marche, et là, il va aussi les soutenir. Les gens vont l'insulter, les gens vont parler, et puis nous, nous avons une bouche facile d'insulter. Je ne sais pas si l'éducation morale et civique à l'école, ça n'existe pas ou quoi. On ne doit pas avoir une bouche facile à insulter. Parce que quand vous insultez l'autre, là, faisons maintenant ce qu'on dit, you put yourself in someone's shoe, qu'on appelle empathie. Faisons ça souvent. Put yourself in someone's shoe. Et vous comprendrez que ce n'est pas bon. Donc, j'étais en train de dire que évitons des petites choses qui peuvent nous compromettre. Des vols, des rancunes, des accusations, pour rien. Calomnie, colportage, emberlificotement, supercherie, toutes ces histoires-là. Évitons. Ça nous avance en rien. Solocap va fermer et il y aura des gens qui auront encore le temps de chercher le travail. Donc, faisons très attention. Économisons, sinon nous risquons de perdre les boulots. À Chicago, le week-end, il y a eu 12 bus d'immigrés qui sont venus. Plus de 1 400 personnes qui sont là. Chicago est débordé parce que les gens viennent maintenant. Les gens viennent. Ils viennent de New York là. New York est aussi abondé. Et ils viennent maintenant à Chicago ici. Les immigrés. Vous êtes venus avec la green card. C'est une chance. Alors n'abîmez pas ça parce que vous avez volé. Parce que vous avez conduit en buvant. Parce que vous voulez vous comporter comme les Américains. Parce que. Protégeons les documents que nous avons. Bénéfice de Snap. Week. Leak. Snap. S-N-A-P. Bonne nouvelle. L'argent va augmenter. L'argent va augmenter. Mais bien on peut vous aura bas Snap. Bien on peut vous aura bas Snap. On s'organise entre nous. Tout ça, il y a le remorque. On fait un truc comme ça. On peut le faire. Un bon truc. Et ça va nous honorer, nous, compatriotes. Attendez un peu, je donne un exemple.
Vous savez, si on peut simplement 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. Nous tous, les Congolais que nous les Congolais qui vivons ici aux États, ici à Champaign, on met seulement 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. C'est le minimum que je peux prendre. 4 000 Congolais fois 5, ça nous fait 2 000 balles. Nous prenons ces 2 000 dollars. Les gens qui sont dans les vieilles, les hommes de vieillard là, ils ont besoin des choses. Les gens qui sont dans les asiles des fous, ils ont besoin des choses. Communauté congolaise qui a mis 5 dollars, on a fait les opérations Sunga Sodana Est, on a fait des opérations Tosali Sabato, on a fait. On prend cet argent, on achète des petits trucs. Qu'est-ce qu'ils ont besoin journalièrement? Ils ont besoin des papiers hygiéniques, ils ont besoin, c'est pas moi, des papiers poubelles, ils ont besoin. On va donner. Vous savez que la communauté ici, nous serons respectés. Hein? Beaucoup respectés. Quand nous étions au pays, on croyait que non, les blancs ont l'argent. Bon, pas les blancs. Les gens qui sont à l'étranger ont l'argent. Ils ont simplement l'essence des collectivités et de la communauté. Ils mettent l'argent ensemble pour aider XY. Ils mettent l'argent ensemble pour soutenir une œuvre. Et c'est ce que nous devons aussi commencer à faire. Nos 5 dollars là. Si vous voulez qu'on fasse ça, contactez-moi. C'est une idée qu'on peut exploiter ensemble. Nous devons impacter positivement ces pays. Ça nous ouvrira de beaucoup de trucs. L'argent de Snap, c'est un objet de problème. Parce qu'il y en a qui ne disent pas la vérité. Je vais vous donner pourquoi je dis qu'il y en a qui ne disent pas la vérité. Attendez. L'éligibilité. Qui est éligible à l'argent de Snap? Regardez. Celui qui peut avoir les Snap ou bien le WIC là qu'on donne. Regardez maintenant, si les revenus, attendez, je vais enlever d'abord ce truc ici. Les revenus de la famille par mois, pour une famille de deux personnes, les revenus par mois doivent être de 2137 dollars. Si vous êtes à deux, les revenus mensuels est de 2137 dollars, vous êtes éligible. Si vous vivez dans une maison à trois personnes, 2664 dollars par mois. Si vous êtes une famille de quatre personnes, 3250 dollars par mois. Si vous êtes une famille de cinq personnes, 3807 dollars par mois. Si vous êtes une famille de six personnes, 4364 dollars par mois. Si vous êtes une famille de sept personnes, 4921 dollars par mois. Si vous êtes une famille de 8 personnes, il faudrait que votre revenu soit de 5478 dollars par mois pour que vous soyez éligible. Ça veut dire quoi? Il y a 557 dollars qui sont ajoutés pour chaque membre additionnel des familles. Bien sûr, une famille nombreuse. À partir de ce 1er octobre, donc aujourd'hui nous sommes le 26. À partir du 1er octobre, vous allez voir que votre SNAP, la carte là, si vous aviez peut-être, vous touchiez, supposons, 200 dollars, vous verrez que ça va être 419 dollars. Parce qu'on a ajouté par individu, ou en termes de pourcentage, 12,5% d'augmentation de bénéfices. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait l'inflation, ils ont dit que les prix des histoires montent, tout ça, les histoires changent. Il faudrait aussi que l'on puisse donner l'argent à aux gens et ajouter. Donc si vous avez les Snap, vous avez les WIC, ainsi de suite, l'argent là va augmenter. Pourquoi j'ai dit que les gens mentent? Attendez, d'abord je continue avec les deuxièmes ici. Qui est éligible pour ça? Donc si vous êtes une personne, comme je venais de le dire, vous vivez dans une personne, une maison, une seule personne, vous devez faire par mois 1580 dollars. 1580 dollars, je ne sais pas, donc il faut qu'on commence à vous payer par semaine. C'est pas moi. 250 dollars par semaine. Et ou 350 ou 400, mettons 400 dollars par semaine. Vous vivez seul. Vous devez avoir ça. Et puis, vous avez des charges. Vous avez ceci, vous avez des gauches à droite, tout ça. Je ne pense pas que beaucoup de gens seraient éligibles si ils disaient la vérité. Donc,
C'est la même chose que j'étais en train de dire ici. Donc, si les gens disaient la vérité, je ne pense vraiment pas que les gens seraient éligibles à avoir les snaps. Et nous comprendrons que beaucoup d'entre nous ne les disent pas ouvertement comme ça. Ils disent pas la vérité. Devons-nous condamner ces gens? Devons-nous les appuyer? Devons-nous les encourager? Mais je crois que nous devons parler à leur conscience. Vous savez qu'il y a des gens qui sont vraiment nécessités. J'aime les enfants qui évoluent ici. On les apprend dès le bas âge. Quand tu n'as pas besoin d'une chose, tu ne peux pas seulement comme ça, tu prends la chose, tu ne manges pas, tu vas jeter parce que tu avais envie, seulement tes yeux ont vu qu'il fallait prendre une chose parce qu'on donne gratuitement. Il y en a qui vont dans des histoires qu'on donne gratuitement. Ils prennent à gauche, ils prennent à droite, ils n'en font rien. Ça pourrit dans leur frigo, ça pourrit dans leur garage. Ils prennent seulement parce qu'ils ont envie de prendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ici, on éduque les gens. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, laisse quelqu'un d'autre en a besoin. Mais nous, Tosa na musala to salak. Tosa na bakop musu so pemeni to salak. Tosa na boe. Vous savez ce qui fait mal, c'est quoi? Nous sommes dans un pays où nous connaissons aujourd'hui des cartes bancaires. Nous sommes dans un pays où nous connaissons la signification des chèques. Nous sommes dans un pays où nous connaissons que soit une saline na kofuta mananga. Nous sommes dans un pays où si tu veux même gagner 50 000 dollars par mois, tu vas le faire parce que ça dépend de ta force. Mais tout ça là, bah, pesibiso, on vole, on n'est pas honnête. On s'entrecuste. Toi, mi funda na ba gauche, ba droite. Regardez. Si vous êtes à côté de ces gens qui sont dans ces pays, vous comprendrez qu'ils parlent beaucoup. Ils n'ont presque pas de secrets. Mais nous, nous avons des fabrications. Les snaps, c'est bien. Non, et bon, on a foutu la taxe, pam, c'est très bien. Mais faisons-les honnêtement. S'ils ont calculé le seuil de famille et le seuil d'éligibilité, c'est parce qu'ils savent que avec ça, quelqu'un ne peut pas vivre. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Il y en a qui méritent vraiment ça, à qui on ne donne pas parce qu'ils sont honnêtes. Et il y en a qui ne méritent pas ça, à qui on donne parce qu'ils ont menti, ils sont malhonnêtes. Évitons la malhonnêteté. Vous savez, notre frère, ami Simplice Mabiala, qui vient ici, qui nous informe, qui aide beaucoup de compatriotes d'ailleurs. Mais on l'accuse. On l'accuse. On avait même à un moment fermé sa chaîne directe. Ceux qui ont l'habitude de suivre Simplice, ils connaissent qu'il fait en français, en anglais, en lingala. Il parle plus de l'immigration, il parle plus des choses pour conseiller. Mais on l'a accusé simplement pourquoi? Parce que c'est le Simplice, parce qu'il y en a qui n'aiment pas sa tête, parce que c'est nous sommes cette communauté-là, nous nous entrequisons pour des choses fausses. Après, quand Facebook vérifie, il trouve que ce n'était pas vrai. Et on a gagné quoi? Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent ici. Évitons. Évitons ça, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Voilà, c'était autour de ça que nous avons voulu partager ce soir. Ce week-end, je crois, nous allons recevoir deux serviteurs de Dieu. Un que nous recevrons du Congo, la force de la prière. C'est sur ça que nous parlerons. Et un autre que nous recevrons d'ici sur place, Papa Adelard. Notre rendez-vous de week-end, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Parole du salut, les principes de la borne. Nous serons en direct ce week-end. Voilà, c'était autour de ça, comme je disais, que nous avons voulu échanger ce soir. À vous qui êtes au pays, continuez à persévérer. À nous qui sommes ici, soyons honnêtes. Évitons des choses qui nous séparent inutilement. Encourageons ce que les autres font. Encourageons les idées des autres sans les détourner. Soutenons-nous des vrais. Évitons l'hypocrisie. Celui qui ne connaît pas
La souffrance du Congolais ne t'aimera pas plus que ces Congolais qui aiment ta, qui connaissent ta souffrance. Alors soyons très prudents. Relevons notre communauté. Voilà, nous disons une fois de plus merci à vous, prophète Jean-Marie Kanganga. Et on m'a chargé de dire quelque chose par un compatriote qui s'appelle Mvuluzi Luta. Il m'a chargé de dire à maman l'année prochaine que tout est dit. Kenyoso et Lobami. Et je crois qu'il se retrouvera ou les deux se retrouveront. Je vous dis merci, Papa Franck ou Maman, Papa Franca Erinel, merci beaucoup. Papa Galan Moulunda, merci. Papa Alain, merci. Oh, Nyoso, vous êtes connecté maintenant là-bas. Maintenant, je vais voir s'il y a des commentaires. Maman Sandra Mbomangongo, Maman Marie Matekita, Maman Micheline Paikulu, Dunia Lisette, Prophète Dido Sombwe, nous vous disons, Prophète Dido, nous vous disons merci. Maman Bibiche Tanzia, Maman Olga Senemo, Papa Célestin, nous vous disons merci d'avoir été connectés. Alors nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champaign, Cannes. Voilà, on se donne rendez-vous dans 2 jours. Hein. Comme ça, nous allons parler avec le pasteur. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est-il? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.